je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de tiroir beauté, les produits que j'ai utilisés, les choses que j'ai découvert, les choses que j'ai réintégrées dans ma routine, etc. Donc pour ce mois de... je vais pas trop parler de soins parce que j'en ai pas mal intégré le mois dernier. On va commencer tout de suite avec les deux soins que j'ai intégrés. J'ai juste ça là devant les yeux. Donc au niveau soins, je vous ai dit, je vous ai présenté les produits La Beauté dans un des vlogs. Je vous remettrai juste ici par là en fiche si vous n'avez pas vu le vlog. Donc les produits de la marque La Beauté sont des soins sur mesure qui sont faits à la demande, qui sont faits en France dans les laboratoires à Paris, ils ont deux labos. Donc si vous voulez aller visiter le shop, vous êtes sur Paris, pourquoi pas aller faire vos soins ou alors faire sur le site comme je vous en ai parlé. Donc dans un premier temps, j'ai intégré l'infusion florale, l'huile nettoyante, donc pour me démaquiller. Alors moi qui ai les yeux très très sensibles, à l'intérieur on a du romarin, enfin on a plein d'herbes. Elle démaquille très très bien les yeux, mais j'ai les yeux tellement sensibles que j'ai été 2 jours à avoir mal aux yeux. Donc moi je vous la conseille sur le teint et pour moi je vais la conserver pour le teint parce qu'elle démaquille très bien. Même quand on a les lèvres très chargées, elle démaquille très très bien les lèvres, le teint, etc. Donc ça se transforme, vous émulsionnez, vous mettez 4-5 pressions dans la main, ça se transforme en vous massez sur le visage, ça se transforme en lait une fois que c'est au contact de l'eau, vous rincez et ensuite vous faites vos soins. Et en parlant de soins, donc j'ai banni l'eau micellaire, on va voir si ça a un impact ou pas. J'ai l'impression que je brille un petit peu moins dans la journée, est-ce que c'est une impression ou pas, je ne sais pas. Donc j'ai intégré donc toujours de La Beauté, la crème de nuit, la crème de jour. Alors la crème de jour, elle est parfaite, elle n'est pas trop riche, elle est vraiment un pouvoir assez matifiant je trouve. Donc je trouve qu'elle a un pouvoir quand même assez matifiant, donc j'aime beaucoup la crème de jour. La crème de nuit, elle est sans parfum, pour moi j'ai choisi sans parfum. La crème de nuit, j'aurais aimé qu'elle soit un tout petit chouïa un peu plus riche, mais ceci dit elle est très bien également. Donc je vous en ferai un point je pense le mois prochain ou dans des produits terminés pour vous dire un petit peu sur le plus long terme ce que ça donne. J'ai également testé ce matin les deux produits de la marque Rivadouce, donc je vais utiliser. Donc on a d'abord le gommage doux fraîche, donc ce sont des produits qui sont petit prix et qui sont made in France il me semble, oui c'est ça, made in France, qui est une marque française pour les peaux sensibles. Donc là on a le gommage doux, alors les grains sont assez fins, vraiment très très fins et ça gomme vraiment tout en douceur, mais on a l'impression que ça gomme en douceur mais ça gomme quand même très bien. Donc moi j'ai insisté un peu plus sur la zone T, mais vraiment très très bien, ça se rince très bien. Le parfum est agréable. Et ensuite j'ai fait donc le masque révélateur d'éclat à l'argile blanche et à l'huile d'argan, que j'ai laissé poser 8-10 minutes parce qu'il marque 5 minutes pour les peaux sèches, 10 à 15 minutes pour les peaux normales et grasses. Donc j'ai laissé jusqu'à 10 minutes et ça se rince bien. Ça sèche un petit peu puisqu'il y a un petit peu à base d'argile. Donc je vais les tester un petit peu plus en profondeur et je pense que vous aurez un avis définitif dans les produits terminés. En matière de soins, je kiffe utiliser ce produit-là. Donc c'est de la marque Royal Apothique. Je l'avais eu, je crois, dans une Birchbox. Donc si c'est, on peut toujours le trouver sur le shop Birchbox, je vous le mettrai. Je vous le mettrai. Donc qu'est-ce que c'est que ce petit tube-là? Eh bien, c'est pour gommer les lèvres. Donc c'est à base de sucre et c'est à la figue. Et c'est super gourmand, même si vous en mangez un petit peu, mais alors ça gomme vraiment très bien. Vous rincez ensuite vos lèvres, vous essuyez vos lèvres, après vous hydratez. Donc en général moi j'hydrate avec ce genre de produit et franchement je kiffe ce produit. Donc là en ce moment je suis en train d'utiliser le Ananas Lip Balm de la marque Hello Body. Donc je suis pas forcément super fan de la marque Hello Body, mais ça c'est un bon produit. Donc je pense qu'en matière de soins, je regarde un petit peu, j'ai pas énormément de choses à vous présenter aujourd'hui, je pense que la vidéo va être assez rapide. J'ai intégré donc au niveau du make-up, au niveau de la base de teint, je voulais vous reparler de cette base là, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, il me semble que oui. C'est la base de chez Makeup Revolution, c'est la Pore Perfecting Primer. Franchement, depuis que j'utilise cette base, je repoudre quasiment pas le teint dans la journée, c'est une merveille cette base. Donc vous avez, ça n'ira pas plus bas. À l'intérieur, vous avez un genre de petit pinceau pour pouvoir prendre l'intérieur de la base comme ceci. Et moi, j'en prends une toute petite, un tout petit morceau. Je viens chauffer la matière dans les mains et ensuite, je viens l'étaler. Et franchement, le fond de teint s'éteint tout seul. Je l'ai testé avec plusieurs fonds de teint. Ça fait toujours le job. Franchement, cette chose-là, je vous le conseille à 10 000%.
Ensuite, en matière de fond de teint, j'ai beaucoup beaucoup porté. Je pense que ouais, c'est essentiellement celui-là que j'ai porté. Donc je fais un mix des deux. C'est le Conceal and Hydrate de chez Makeup Revolution. La teinte F4. Donc je mets une pompe de F4 et une demi-pompe de F05 pour avoir un petit côté un peu plus rosé, un petit peu plus clair. Parce que bon, voilà, j'ai la peau claire. Et bah, ce combo duo, enfin ce combo match à la perfection. Pour le... Je voulais vous refaire un point sur les petites éponges que j'avais achetées, les 18 éponges de chez Action. Celle-ci, c'est une merveille pour faire le contour de l'œil, pour pouvoir appliquer le concealer, pour pouvoir appliquer également l'highlighter en crème. C'est une merveille. J'en suis à ma deuxième ou troisième éponge. Elle garde quand même du... Je crois que je les ai gardées... Je l'ai gardée 2 mois la précédente et franchement, et elle lave tous les jours. Donc là, elle est sale parce que je ne l'ai pas encore lavée, mais je la lave en fait le lendemain pour pouvoir la humidifier. C'est vraiment très très bien. Je suis vraiment ravie de cette éponge. Ensuite, en matière de teint, bon, je suis toujours le même concealer, donc on ne va pas revenir dessus. Je regarde un petit peu ce que j'ai là. En matière de poudre, j'ai fini l'autre, donc j'ai réintégré celle-ci qui est de chez Fenty Beauty, qui est la Lavender. J'adore cette poudre et elle fait vraiment le job. Elle est vraiment matifiante. Voilà, c'est ça. Poudre fixatrice retouche instantanée. Donc j'utilise au pinceau en grosse touche ici pour fixer. Et ensuite avec ma houppette chouchou de chez Linda Albert qui ne quitte pas. Hein, je l'utilise tous les jours. J'ai beau la laver. Elle revient toujours en forme. Ça vraiment c'est une valeur sûre si vous cherchez une houppette. En plus elle a vraiment la bonne forme pour faire les coins du nez. Franchement c'est une merveille. Vous pouvez la retrouver sur Beauty Bay. Donc je vous remettrai ça en barre d'infos. Et la poudre Fenty, elle est lavender. Et j'en ai acheté une, je crois, de chez Makeup Revolution qui est lavender aussi. Donc faut que je fasse ce comparatif sur un côté du visage, voir si c'est un peu le même style ou pas. Mais vraiment j'aime beaucoup 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 cette poudre. Pour le contouring, je vois que j'ai utilisé, bah, comme je vous l'ai dit, quand j'en commence un, je le finis. Donc j'ai quasiment utilisé que celui-ci de chez Focalure. Il est vraiment top, il est génial. On a à l'intérieur un duo, un bronzer qui est parfait, que j'utilise tous les jours. Et on a un highlighter aussi qui est magnifique. Il est splendide l'highlighter. Il est de toute beauté. Regardez cet highlighter, il est magnifique. Donc celui-ci pour moi c'est la teinte 03, c'est le Ipanema Sun Champagne Pop et franchement il est sublime. Et en parlant d'highlighter, j'ai reçu, je vous l'ai présenté je crois dans le vlog de la semaine dernière il me semble. J'ai acheté ça sur Sephora puisque j'avais encore un bon d'achat de 10%. Vous savez quand vous dépassez tant de points ou 3 passages en caisse, enfin, vous avez des bons d'achat chez Sephora quand vous êtes gold. Et ben, je me suis fait plaisir avec cette chose là qui est le Turn Up the Light. Donc en teinte light, c'est une palette illuminatrice teint parfait. Donc à l'intérieur, bon, en plus le packaging, bon, il est un peu cheap je trouve en plastique, mais bon, vous avez un miroir à l'intérieur et à l'intérieur vous avez 3 poudres. Vous avez ici une partie highlighter, ici une autre partie highlighter mais très 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 irisée. Je vous les swatcher les 3. Et à l'intérieur on a une soft focus qui permet de mettre en... de créer de... comment dire... un petit peu de profondeur, notamment ici pour créer des reliefs. Et moi je la mets ici en zone T, un petit peu ici, en fait sur les zones où je veux apporter de la lumière. Donc je vais vous faire le swatch de cette... voilà. Donc là on a les 3 teintes, on a celle-ci, elle est vraiment très pailletée. Donc moi je l'utilise, si vous l'utilisez, je vous conseille de vraiment l'écraser pour que les paillettes soient un peu moins présentes. Alors ça en coin interne de l'œil et sur l'arcade sourcilière, c'est une merveille. Ici, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Il est splendide. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Il est magnifique. Il est de toute beauté. Donc, je me tente même si je ne vais pas me prendre la teinte au-dessus. Parce que la teinte au-dessus a l'air de bien me tenter aussi. Mais bon, c'est 43 €. Donc, on va... Ensuite, en matière de blush, bah, j'ai utilisé quasiment que le trio de chez Tarte. Vous savez, c'est des blushs où vous avez à l'intérieur blush, highlighter... blush et highlighter. Donc j'ai principalement utilisé le trio. S'il est encore dispo, je vous le remettrai parce que chaque fois qu'il est dispo, il part très très vite. Après, en matière de palettes, on finira par les palettes. En matière de mascara, aujourd'hui je porte celui-ci, le Size Up. C'est mes mascaras chouchou en ce moment. Je le trouve vraiment très très bien. Il est vraiment top. Et j'ai découvert celui-ci, pareil que j'ai reçu gracieusement, le The Falsh. Falsies Lash Lift Mascara de chez Maybelline New York. Et ben franchement il est pas mal du tout.
La brosse est vraiment bien. Elle est voilà, elle est comme ça, un petit peu en cacahuète. Et franchement, elle attrape vraiment bien les cils et elle fait pas de pâté. Donc, ce petit combo-là, c'est pas mal du tout. Pour les sourcils, j'ai réintégré mon crayon de chez Révolution Pro en Dark Brown. J'aime beaucoup la mine. Je trouve qu'elle est très fine. Elle permet vraiment de faire un tracé très très fin. Plus que ceux de chez Benefit qui, voilà, vous voyez, c'est très très fin. Et j'aime beaucoup le fait de pouvoir faire quelque chose de tracé, de quasiment du poil à poil. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. J'ai testé, puisque je voulais vous en parler, la colle pour les faux cils de chez Make Up Revolution. Je vous avais présenté, je crois, dans un haul. Je ne sais pas si je vous l'avais présenté ou pas. Elle est à base d'eau, elle est sans latex. Alors, je trouve que elle est transparente, mais le problème, c'est qu'on la voit vachement quand elle sèche. Donc je suis pas une pro des fossiles, hein. Je galère à les mettre, j'ai mis au moins une demi-heure à mettre les fossiles hier, mais je vous mettrai une petite photo ici sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous remets ici mon nom d'Instagram et il est en barre d'infos de toute façon. Donc je trouve que le produit coule énormément, c'est très très liquide, donc ça coule sur les cils. Donc je vais le retester un petit peu plus en profondeur et je vous en donnerai un avis si je garde ou si je garde pas, ou voilà. Mais c'est pas. Donc si vous avez une très très bonne colle à fossiles, je sais que la duo est très bien. Donc si vous avez une autre très bonne colle à fossiles, je suis tout oui. En matière pour les yeux, donc ce mois-ci, ça j'en finirai par les yeux. Pour les lèvres, je voulais vous parler de ce produit-là que je mets tous les jours. Une fois que j'ai fini mon teint, avant de commencer le make-up des yeux, je mets ça sur mes lèvres. Et c'est de la marque Pixi, je l'avais reçu dans un coffret. C'est le Lip Lift Max Petal Ice. Donc ça se présente comme ceci. C'est un petit peu mentholé, un petit peu effet plump. Et je trouve, quand je l'utilise et que... Après, une fois que j'ai fini les yeux, etc., je mords dans un mouchoir et je viens enlever l'excédent. Et je viens mettre mon rouge à lèvres par-dessus et ça plump légèrement les lèvres. Je trouve que du coup, l'application du rouge à lèvres mat, par exemple, est beaucoup plus facile. Et je le mets tous les jours et il ne me quitte plus. J'adore, j'adore, j'adore. On va finir, je pense, par tout ce qui est pour les lèvres, hein, je pense. Je vous avais dit que je vous ferais un point dans le tiroir beauté de la collection Sananas. La collection Sananas voilà, la collection Sananas qu'elle a sorti là en édition numéro 2. Alors d'abord le kit de pinceaux. Les pinceaux, j'appréhendais un petit peu. Je me suis dit, ouais, vu le prix, je dis, est-ce que tu le prends, tu le prends pas? J'avais loupé le premier. J'avais dit c'est dommage parce que tu adores les pinceaux. On n'a jamais assez de pinceaux quand on est make-up addict et quand on se maquille beaucoup. Là, notamment ce matin, j'ai utilisé une quinzaine de pinceaux pour réaliser le make-up que j'ai fait là aujourd'hui. Eh bien, alors les pinceaux sont très très doux, aussi bien ceux que pour le teint, ceux que pour les yeux. Ils sont très précis, ils se lavent très bien, ils reprennent très bien leur forme. J'ai utilisé tous les pinceaux du kit qui sont ici. Tous les pinceaux, ils sont vraiment top, top, top. Je dirais que peut-être le seule chose que j'ai moins aimé, c'est le double embout sourcil et eyeliner. Mais franchement, si vous arrivez à mettre la main dessus, je vous le conseille à 10 000%. Donc le kit de pinceau, vous pouvez foncer les yeux fermés. Ensuite, on va parler des deux palettes. Alors, j'ai plus testé la palette, la grande que la petite. Donc la grande, on va revenir sur la grande palette, donc c'est le volume numéro 2. Alors elle est très jolie, je trouve que le packaging, bon c'est le même packaging que la première, mais je trouve qu'il fait classe, enfin il ressemble à Sana, un peu en façon cuir, c'est très sympa. Alors, on va parler des choses qui fâchent, oui, des choses qui fâchent. On va parler des choses qui fâchent. Donc les fards qui sont irisés, donc c'est-à-dire tous les fards qu'on a qui sont très irisés, se travaillent à merveille, se prélèvent à merveille, il n'y a pas trop de chute, ils font pas trop de chute, ils se travaillent très bien. Par contre, les fards mat sont assez difficiles à travailler, je trouve. Je trouve qu'ils ont tendance à faire des taches quand on les estompe. Et il y a certains fards, il faut y aller plusieurs fois, notamment le fard Family. Je suis revenue beaucoup de fois dessus. Alors les fards sont jolis, mais je pense que si vous êtes débutante en make-up, ce n'est pas des fards qui sont faciles à travailler au niveau des fards mat. L'harmonie de la couleur de la palette, on peut faire beaucoup de choses de différentes. On peut faire des choses vraiment...
des choses très nude, des choses dans les tons rosés, dans les tons parme, dans les tons verts, dans les tons un peu smoky, dans les tons un peu marronnés. Donc je pense qu'au niveau de l'harmonie de couleurs, si vous avez cette palette, ça peut convenir pour... j'ai fait quasiment 2 semaines de make-up avec cette palette et tous les jours j'avais un make-up différent. Donc cette palette, elle est bien, mais les fards mat sont très difficiles à travailler, je trouve. Ensuite, la petite palette qui est la palette, c'est la numéro 2. C'est dommage qu'elle n'ait pas donné de nom à ces palettes. J'aurais bien aimé qu'elle donne des noms parce que voilà, il y a la 1, la 2, etc. Alors, dans ces palettes-là, c'est le même principe que les fards, que l'autre palette pour les fards mat. Je trouve qu'ils sont quand même assez difficiles à travailler. Par contre, les fards irisés sont magnifiques. Notamment le Lumos qui est ici, c'est une merveille. Donc en référence je pense à Harry Potter, puisqu'elle est fan d'Harry Potter. Franchement c'est une merveille. Donc je pense que c'est, vu le prix, c'est des très bonnes palettes. Malgré que je trouve que les fards mat sont très difficiles à travailler. Donc si vous avez acheté ces palettes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravie de vous lire. Ensuite, au niveau des palettes, j'ai utilisé très peu d'autres palettes parce que je suis essentiellement concentrée sur celle de make-up de chez Sephora et Sanana. Ça, c'est une palette que j'utilise tous les jours. Tous les jours, quasiment tous les jours. C'est la Monster Matte. Si vous cherchez une palette de matte, uniquement de matte, avec tout plein de couleurs qui permet d'avoir des fards de transition. Donc, c'est avec cette palette que j'ai utilisé le make-up. Uniquement les fards matte, c'est aujourd'hui que j'ai utilisé cette palette. Donc c'est la Maxi Reloaded de chez Makeup Revolution. C'est une pépite. C'est une valeur sûre. Si vous cherchez une palette de matte, foncez sur celle-ci. Et j'ai utilisé pas mal cette palette-là. Donc je vous invite à aller voir, enfin à vous abonner à mon Instagram pour ne pas louper les make-up que je fais. Et pour aller voir les make-up que j'ai réalisés avec ces palettes. Donc la Norvina volume 1. Je désespère que la Norvina 3 sorte en France. Donc je ne sais pas si elle va sortir, donc il va falloir que je la commande sur le site. Donc aujourd'hui j'ai utilisé donc uniquement le fard bleu qui est ici de cette palette. Et j'ai rajouté par dessus des paillettes de chez Urban Decay et de chez Miss, comme je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc franchement cette palette, c'est, si vous aimez les palettes colorées, la qualité des fards, donc c'est un petit peu poudreux. C'est un petit peu poudreux mais la qualité des fards est magnifique. Franchement c'est vraiment très très beau. C'est de très très belles palettes. Voilà, les 70 euros sont largement justifiés, je trouve. C'est des fards de qualité. Donc j'en ai d'ailleurs vendu plusieurs sur Vinted. Donc je suis en train toujours de faire du tri. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Vinted pour ne pas les louper. Elles sont à petit prix en général. Donc je me suis beaucoup... donc celle-ci je vais la garder. Je me suis beaucoup maquillée aussi avec celle-ci, la Vice. J'ai ressorti des fonds des tiroirs. Et voilà, j'ai utilisé le bleu, le turquoise, celui-ci, ce orangé. Je crois que j'avais utilisé un des verts aussi. Mais franchement, c'est une très belle palette. Il y a des très très jolis fards dans cette palette. Donc celle-ci, je vais la garder. J'ai beaucoup utilisé aussi tout ce qui est un petit peu topper, paillettes, etc. de la marque Beauty Bay, donc qui sont les liquides cristal. Ça c'est pareil, c'est une valeur sûre, vous pouvez foncer. C'est un petit peu les dupes des, j'en ai un à côté, des Stila. Mais au niveau du prix, je crois que c'est à 7 euros. Et il y a souvent des promos au moins 20% sur la marque Beauty Bay. Donc c'est super intéressant. Et au niveau du contenant, je ne sais plus, on a 4,5 ml. Et sur celui de chez Stila, est-ce qu'il va être écrit? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas écrit sur l'emballage. C'est dommage. Je la vois qui s'en va. C'est dommage, il n'y a pas écrit sur l'emballage. Donc je ne sais pas combien. Mais je pense qu'il y en a énormément plus dans ceux de chez Beauty Bay. Vous pouvez foncer sur ceux-là. J'ai beaucoup aussi utilisé les petites paillettes liner pailletés de chez OPV. Franchement, ça c'est pareil, c'est une valeur sûre. Si vous cherchez des petits liners pailletés, c'est une pépite. Et pour finir, au niveau des lèvres, j'ai beaucoup utilisé les glosses de chez Stila. C'est une merveille ces glosses-là, je vous les conseille à 10 000%. C'est celui que j'en porte un aujourd'hui, c'est le Kitten. Alors, soit vous les portez seuls comme ceux-ci qui font un petit peu des lèvres un peu pulpées, ils collent pas. Vous voyez, ça colle pas. Un peu des lèvres pulpées ou alors en association sur un rouge à lèvres mat. Ça embellit le rouge à lèvres mat, ça vous fait une bouche magnifique. Franchement, je vous les conseille à 10 000%. J'ai ressorti également mes Gérard Cosmétiques, j'en ai ressorti deux. Donc j'ai ressorti le Everything Nice, donc je vais vous les swatcher. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres là, les Gérard Cosmétiques.
Et le 1995, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres, ils sont vraiment très bien. On peut les retrouver sur Beauty Bay, donc pas de problème. Donc ils sont dans les tons un petit peu marronnés. Donc ça c'est 1995 et ça c'est le Everything Nice. Donc j'aime beaucoup beaucoup ces rouges à lèvres là. Mes rouges à lèvres préférés en rouge à lèvres mat de tous les temps, les Sephora sans transfert. Donc celui-ci je l'ai porté avec le gloss, le Pink Slip. Et franchement vous avez été plusieurs à chaque fois à me dire « Oh là là mais qu'est-ce que tu portes sur les lèvres, il est magnifique ce rouge à lèvres ». Donc c'est le 56 de chez Sephora. Donc c'est un violet comme ceci. Et j'ai beaucoup aussi porté le Dark Red, donc c'est un rouge. C'est un rouge, mais un rouge un petit peu profond. Et il est magnifique. Il est très très joli, ce rouge-là. Vous voyez? C'est un rouge un petit peu qui tourne un peu vers le brique. Vraiment magnifique. Également, mes chouchous, ces rouges à lèvres-là, je les adore également. C'est les Pure Velours de chez Zoeva. Je les ai quasiment tous, je crois. J'avais acheté les kits. Ils avaient sorti des kits pour les fêtes il y a... l'année dernière ou avant l'année dernière. Ils sont crémeux et une fois qu'ils sèchent sur les lèvres, ça ne bouge plus. Moi je les, en général je fais même pas de retouche de la journée, donc celui-ci c'est naturel esthétique, mais voilà, ils sont tous magnifiques. Vous pouvez les retrouver sur le site de Sephora je crois. J'ai aussi pas mal porté les Jeffree Star qu'on peut retrouver dans les bundles, vous en avez plusieurs à l'intérieur, donc notamment le Red Rum et le Diva, donc le rouge, le Red Rum qui est ici, je vais vous le swatcher, qui est un rouge, un pur rouge qui est magnifique. Et le Red Rum donc qui est juste ici. Et on a le Diva, donc je crois que celui-là il n'existe plus le Diva, c'est un rose un petit peu Barbie, qui est vraiment voilà, du Jeffree Star à 100%, j'aime beaucoup. Ma couleur préférée chez Arcanceil, c'est celui-ci, c'est le Mauve Oriental, qui est un violet, mais un violet un petit peu avec des sous-tons, je trouve magnifique. C'est un violet assez foncé. Alors, je l'ai mis tout seul ou je l'ai mis avec un gloss par-dessus. Voilà, divin, divin, divin. Donc voilà un petit peu pour les rouges à lèvres que j'ai utilisés pour ce mois de février. Donc et voilà un petit peu aussi tout ce que j'ai utilisé, tout ce que j'ai réintégré, les choses que j'ai découvert, les flops, voilà comme ça je suis pas 100% fan de ce produit là. Donc je vais le tester un petit peu plus peut-être sur d'autres fossiles, peut-être avec une frange noire, on va voir. Je vais le tester un petit peu plus et puis bah, je vous en redirai des nouvelles, savoir ce que j'en pense un petit peu plus. Voilà, je suis en train de me mettre du rouge à lèvres partout. Il y en a partout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc, je vous mets tous les liens des articles que je vous ai parlé en barre d'infos. On se retrouve donc très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, je vous fais plein plein de bisous. Ciao, ciao.